Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais vous partager les astuces ainsi que les meilleures pratiques que j'ai apprises à une utilisation efficiente de ChatGPT. Que vous soyez un nouvel utilisateur cherchant à explorer ses possibilités ou un utilisateur expérimenté en quête d'optimisation, ce podcast vous fournira des conseils détaillés, des astuces perspicaces et des exemples pratiques pour tirer le meilleur parti de cette technologie d'intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, commençons. Astuce 1. Comprendre ChatGPT. Plonger dans le monde de ChatGPT. ChatGPT, conçu par OpenAI, est bien plus qu'un simple modèle de langage. Il est l'incarnation de l'avenir de l'IA conversationnelle, capable de générer des réponses naturelles et informatives à partir de requêtes textuelles. À sa base se trouve la technologie GPT 3.5 alimentant ses capacités dans divers domaines, de l'assistance à la rédaction de contenu à la génération de code. Pour vous la faire courte, ChatGPT ressemble à un cerveau, avec une boîte d'entrée où vos questions prennent vie et une boîte de sortie où ses réponses prennent forme. Astuce numéro 1. Posez des questions de manière éclairée. Soyez clair et concis. Pour amorcer une conversation fructueuse, commencez par des questions claires et concises. Évitez les ambiguïtés et les formulations confuses. Exemple ⁇ Questions claires et concises. N'utilisez pas de questions ambiguës, comme parlez-moi de l'IA. Formulez votre question clairement comme dans le domaine de l'intelligence artificielle, pourriez-vous expliquer le concept de réseau profonds Astuce numéro 2 ⁇ Divisez pour mieux régner. Si vous avez une question complexe, décomposez-la en plusieurs questions plus simples. Cela permet à ChatGPT de mieux comprendre et de fournir des réponses plus précises. Exemple, question complexe divisée. Question complexe, expliquez la théorie de la relativité d'Einstein et son impact sur la physique moderne. Question divisée, qu'est-ce que la théorie de la relativité d'Einstein Et en quoi la théorie de la relativité a-t-elle influencé la physique moderne Astuce numéro 3, contextualisation de vos demandes. Contexte, toujours le contexte. Donnez à chaque GPT le contexte nécessaire pour des réponses pertinentes. Mentionnez le domaine, le sujet ou les détails importants pour une compréhension optimale. Exemple, question éclairée par le contexte. Question vague, parlez-moi de la photosynthèse. Question avec contexte clair, dans le contexte de la biologie végétale, Pourriez-vous m'expliquer en détail le processus de photosynthèse et son rôle vital dans la survie des plantes Astuce numéro 4. Révision et clarification. L'art de la révision. Si la réponse initiale ne correspond pas à vos attentes, n'hésitez pas à reformuler ou à préciser votre question. Une communication en plusieurs étapes est souvent nécessaire pour parvenir à la réponse idéale. Exemple ⁇ Réviser pour la clarté. Question initiale. Quels sont les avantages de l'énergie solaire Question révisée, pouvez-vous énumérer les avantages environnementaux spécifiques de l'énergie solaire par rapport aux combustibles fossiles Astuce numéro 5, l'art des exemples. Donnez des exemples. Pour aider ChatGPT à mieux comprendre et à répondre de manière plus appropriée, illustrer votre question avec des exemples concrets est une stratégie efficace. Exemple, question avec des exemples vivants. Question sans exemple, pouvez-vous expliquer les concepts de base de l'intelligence artificielle Question avec exemple, pourriez-vous m'expliquer les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle en utilisant l'exemple de l'apprentissage automatique dans la reconnaissance de la parole Astuce numéro 6 Patience et persévérance. La vertu de la patience. ChatGPT peut nécessiter plusieurs échanges pour saisir pleinement votre question. Soyez patient et n'hésitez pas à poursuivre la conversation jusqu'à obtenir une réponse satisfaisante. Exemple conversation en cours. Utilisateur, pouvez-vous expliquer la théorie des cordes en physique ChatGPT, bien sûr. La théorie des cordes est une. ChatGPT élaborera une première réponse pas assez pertinente. Utilisateur ici doit poser des questions de suivi pour une compréhension plus approfondie. Astuce numéro 7 Exploiter les techniques d'ingénierie d'éperon. L'art de l'ingénierie d'éperon. L'ingénierie d'éperon, également appelée ingénierie de requête ou d'entrée, est une technique utilisée pour formuler des questions, des instructions ou des requêtes de manière à obtenir des réponses spécifiques et de haute qualité de modèles de langage tels que GPT-3 ou ChatGPT. Cette technique vise à exploiter au mieux les capacités du modèle en ajustant la formulation des requêtes pour obtenir des résultats précis et pertinents. Voici quelques concepts clés de l'ingénierie des prompts. Clarté et spécificité. Les prompts doivent être clairs et spécifiques pour que le modèle comprenne bien ce que vous attendez comme réponse. Évitez les questions ambiguës ou vagues. En pratiquant l'ingénierie des prompts, vous pouvez améliorer significativement les performances de modèles de langage comme ChatGPT et obtenir des réponses plus pertinentes et utiles à vos questions. Cette technique est particulièrement utile lorsque vous avez besoin de résultats précis dans des domaines spécifiques ou pour des tâches particulières. Explorez différentes manières de formuler vos questions pour des résultats optimaux. L'ingénierie de prompt peut être un outil puissant. Exemple, ingénierie de prompt. Question standard. Expliquer le fonctionnement de la cryptographie. Question en utilisant les techniques de l'ingénierie de prompt, pouvez-vous fournir une explication détaillée du fonctionnement de la cryptographie moderne en mettant en avant le rôle de l'algorithme RSA Astuce numéro 8 utilisation éthique. Éthique et responsabilité. L'utilisation de ChatGPT doit être guidée par des principes éthiques et une responsabilité. Respectez les directives d'utilisation et les conditions générales pour une utilisation éthique et responsable. En suivant ces conseils, astuces et exemples pratiques, vous avez désormais les clés pour maîtriser ChatGPT de manière exceptionnelle. La pratique et l'exploration sont vos alliés pour tirer parti au maximum de cette technologie. En utilisant ces connaissances comme tremplin, vous pouvez engager des conversations plus enrichissantes, des recherches plus précises et des créations plus intelligentes avec ChatGPT. Merci d'avoir écouté ce podcast. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé de tout ce que je fais. À très bientôt.